Rien du tout. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la TKC. Bonsoir aux abeilles. Bonsoir aux sympathisants. Bonsoir à tous ceux-là qui font l'honneur et le plaisir de me suivre depuis des années. Bonsoir à la population africaine, le peuple africain. Bonsoir à tout le monde. Le direct, je veux commencer par un coup de gueule. Et pour parler aussi à nos frères et sœurs de l'Afrique. Je vois beaucoup de personnes vont en Afrique. Moi, je voulais enlever souvent l'hypothèse de dire souvent que le poison. Il n'y a pas que le poison. Je vous dis souvent, oh, il y a les boissons frélatées, il y a machin. Il y a beaucoup de choses au pays maintenant que les gens font qui ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'empoisonner la population. Je vous ai dit hier que je partais manger le mbol. Donc, j'ai le mbol qu'on m'a ramené du pays. Je vous ai dit que je partais manger le mbol. Alors, je suis partie hier chez ma fille, celle qui m'a fait les tresses là. Donc, on a organisé qu'on devait manger le mbol. J'ai aiguisé mon ventre, j'ai dit qu'il devait m'asseoir par terre pour manger mon mbol. Et après, venir boire mon thé. Elle est venue à me faire le mankam dans mon thé. Donc, du coup, coucou ma grande soeur, tu es déjà là? Tu es là ou pas? Dis-moi. Donc, c'est comme ça qu'on dit donc qu'on organise le mbol. Normalement, c'était prévu pour ce week-end, qu'on devait faire le mbol ce week-end. Comme je sais que ce week-end-ci, peut-être je serai avec ma grande soeur en train de monter, descendre, comme nous montons, on marche souvent. Elle vient ici, c'est les tétés. Elle vient, elle a sa maison de repos ici, là. Elle vient se reposer à Rouen. J'ai donc dit à ma fille, fais-nous le mbol. J'ai le poisson fumé, j'ai les accessoires, tout ce qu'il faut. Je ramène le mbol. Le voici, le mbol. Quand vous regardez ce mbol, je pense que j'ai donné un peu aussi à ma copine. Hein. Je crois j'avais donné un peu à ma copine. Je ne sais pas si c'est le même parce qu'il y avait deux. Je ne sais pas si j'ai un autre en haut. Mais je vais vous dire l'affaire de ce mbol. Vous n'allez pas me croire. Mais écoutez attentivement. C'est sérieux ce que je dis et c'est vrai. Ce mbol que vous voyez là, ce n'est pas le mbol. C'est la terre rouge qu'on nous a vendue au Cameroun. Je dis bien la terre rouge qu'on nous a vendue au Cameroun. Elle a fait, parce que c'est une ngumba, donc elle a fait le pistache, elle a fait avec poisson fumé, tout, la viande fumée, elle a fait comme il fallait, parce que c'est la spécialité quand même aussi, hein, le mbol. Donc, elle a fait ce qu'il fallait faire. Au moment de mettre le mbol, maintenant, taper comme on tape, ça ne se tire pas. C'est la terre rouge, comme je vous dis, la terre. Si vous voulez, je me mets prendre l'eau, je mets dans un bol. Je viens faire devant vous, vous voyez. La terre rouge qu'on nous a vendu au Cameroun. Quand j'ai pris, elle a tourné bien le couscous. On a dit que bon, même comme ce n'est pas gluant, on va manger ça comme ça. Et ma d'abord dit que ma mère, ça, ce n'est pas le mbol. Je lui dis que comment, c'est le mbol. On a vendu au marché, c'est le mbol. Elle dit que ce n'est pas le mbol. Thomas, elle a fini de tourner, non? On dit qu'on mange, maman. C'est la terre rouge. La terre rouge, voici ça ici, qu'on nous a vendu au Cameroun. Vous voyez, après on va dire que le poison. Imagine que on avait très faim. Puisque avec l'odeur maintenant du poisson fumé, la viande fumée, ça a donné une odeur que les Africains qui aiment bien manger, tout gluant, adorent. On pouvait forcer et manger. Qu'est-ce qui allait arriver après? Ça, c'est la terre qu'on nous a vendue au Cameroun. Vous comprenez que après, les gens vont dire, oh, on a donné le poison, on a donné ceci. Mais notre population même veut nous tuer, même nous-mêmes encore. Eux-mêmes, ils se tuent même encore. Parce que là, ils ne savent pas. La personne qui a vendu ne sait même pas si sa fille est ici en bain. Va manger aussi ça. Et peut-être, ça va lui causer un problème. Vous voyez? Après, on va dire que, oh, on nous empoisonne au pays. Voilà ça, la terre qu'on m'a vendue au Cameroun.
La terre. C'est-à-dire quand il fait comme ça, tu sens le bruit de la terre. La terre. C'est la terre. Je lui ai dit que maman, lave notre viande, lave notre poisson. On remet ça. Il fallait voir le sable. Le sable. Le sable. Mes frères, faites attention. C'est pour ça que j'ai appelé Ducamel la dernière fois. Je lui ai dit que mon fils, tu es au Cameroun. Méfie-toi. Fais très attention où tu poses les pieds. Fais très attention à ce que tu manges. Fais très attention. Quand j'ai quelqu'un qui part au pays, que j'ai ton contact, je vais toujours te dire de faire très attention. Faites très attention au pays-là. Faites attention à tout ce que vous mangez là-bas. Faites attention à ce que vous buvez. Les gens vont vous faire boire du n'importe quoi maintenant. Attendez, je tourne un peu ma mamie vite fait. Je vais laisser la télé, si la mamie va bouler, on m'a dit que oui, sors du mariage, pas. Je ne suis pas prête. J'ai éteint d'abord parce que ça va. Donc, faites vraiment attention quand vous allez au pays. Faites attention vraiment à ce que vous consommez. Parce que là, ça devient de plus en plus dangereux. Ça dégoûte même déjà d'aller dans nos pays. Franchement, avec ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. On nous empoisonne même maintenant. Tu payes même pour qu'on t'empoisonne. C'est-à-dire avec ton argent, on t'empoisonne. On n'a pas besoin tu n'as pas besoin d'avoir un ennemi. Non, on t'empoisonne sans savoir. Parce que ça peut nous empoisonner. Donc, il fallait vraiment que je vous parle de ça aussi. Faites très, très attention à ce que vous consommez maintenant. Au pays, là. Le pays est devenu... C'est-à-dire... Chacun est prêt à tout pour avoir quelque chose. Chacun est prêt à tout. Voilà. Donc, faites très attention. Même l'ondor aussi. Les gens font le truc là, comment on appelle ça? Le noyau de l'avocat. Le noyau de l'avocat. Il prend ça, il fait. Et il fait il fabrique le dos avec. Faites très attention. T'as dit, merci pour les étoiles, ma chérie. Merci beaucoup. Que le Seigneur te le rembourse au centuple. Moi, c'est ma grande soeur qui me fait mes courses. Parce que elle est au pays, elle vit au pays. Donc elle connaît. Mon bongo, c'est fait maison. Moi, je ne prends pas les bongos en poudre, là. Attention, on prend le charbon. Ils prennent le charbon, ils râpent. Ils mélangent un peu avec l'odeur du homi. Et puis, tu sens, tu dis que si tu n'es pas un spécialiste, que tu ne connais pas le bongo, tu vas croire que c'est le bongo. Il peut prendre le homi, là. Il brûle ça. Un homi. Il prend on appelle ça quoi? Le charbon. Il fait ça, il râpe. Et puis on te donne, tu crois que c'est le bongo, tu manges, tu sens un peu de... Mon bongo est fait maison, ma grande soeur écrase avec ses mains. Quand je viens avec le bongo, toute personne que j'ai donné mon bongo, il mange le bongo, il dit que oui. Parce que mon bongo, il est fait maison, elle écrase elle-même. Je pourrais lui faire gagner le marché là, c'est-à-dire, elle sa spécialité c'est le bongo. Elle livre aux gens qui viennent. Son bongo n'est pas en poudre, c'est pâteux, c'est la pâte. Donc elle ne met rien d'autre, elle ne met pas de tomates, elle t'écrase les condiments du bongo, le grand frère. Donc, la viande de brousse, j'aime les gens en Kondongo. On va te dire que ça, on a tué avec le poison, ça, on a tué avec l'arme. Donc,
Mais je t'ai dit, il faut faire très attention, vraiment très attention à ce que nous consommons. N'oubliez pas que notre organisme a déjà changé. Nous vivons en Europe depuis, ce qui fait que ce que celui qui est au pays, moi je vois les enfants au pays, souvent ils boivent de l'eau. Bon, dans ma famille, ils n'arrivent pas. Si le plus pauvre peut-être va bouillir l'eau là et puis faire comme ils ont l'habitude de faire. Mais moi je vois les gens qui vivent au pays, eux, ils prennent de l'eau, l'eau du robinet là, ils boivent. Mais si nous là, nous faisons un peu les gens, même Amec, Amec qui met l'eau au pays souvent là, ils tentent de prendre un demi-verre comme ça là, d'eau, direct là. Il n'a même pas pour 10 minutes. Il n'a pas pour 10 minutes. Donc, on doit savoir que nous ne sommes plus pareils. Nous ne sommes plus pareils. Nous sommes déjà différents. Tout a changé sur nous. Donc, c'est aussi un moyen de sensibilisation pour dire que vraiment, on doit faire très attention à ce que nous consommons dans nos pays. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. Méfiez-vous de ce que vous consommez. Il y a des pays où vous partez, tu crois que tu manges la viande de brousse, pourtant c'est le chien, un chien qui est mort. Ce que je dis est vrai, hein? Je ne suis pas en train de vouloir, ce que je dis est vrai. Il y a des gens très malhonnêtes qui passent leur temps à marcher dans la nuit, faire des bêtises, tuer les chiens, tuer les chats, puis vendre le truc sur la tête, faire manger ça aux gens. Vraiment, c'est pour ça que j'aime mes sœurs. Mes sœurs ne laissent pas leurs enfants manger vraiment n'importe quoi dans la rue. Faisons très attention. Essayez, les blogueuses là, essayez de parler souvent de ça, de sensibiliser. Parce que ne nous mentons pas. Les gens sont, t'as dit, le monde est gâté, les gens sont méchants. Quelqu'un va te faire manger quelque chose. Je vais prendre une petite parenthèse, hein. C'est pas méchant, hein. Ce n'est pas un clash, vraiment. Ngombongo Indi ici. Papa Ali est musulman. Elle avait fait manger le porc à Papa Ali. Vous voyez auquel point quelqu'un peut être méchante, parce que le jour-là, elle ne voulait pas préparer. Elle a fait le porc dans le Mbongo, elle a donné à Papa Ali, il a mangé. J'ai juste sur mon ventre, Dieu m'est témoin. Elle a fait manger le porc à Papa Ali. Quand on habitait encore dans le 17e. Donc ce genre de personne, si peut te faire, elle peut faire n'importe quoi. Juste peut-être si elle veut avoir, je ne sais pas où, la gloire, ou elle a fait manger le porc à ce papa-là. Sachant que ce papa, c'est un musulman. Il ne mange pas le porc. Elle a fait manger le porc. Si je mens, que je sorte là, la voiture me cogne. Je ne mens pas. Et je ne suis pas. Quand je vous dis que quand je dis ma chose, j'ai vécu avec elle. Je sais de quoi je parle. Elle a fait manger le porc à Papa Ali. Je lui ai dit que, ouais, comment tu peux faire ça? Elle m'a dit que, ya, est-ce qu'il sait? Il ne va pas savoir. Ça ne peut rien lui faire parce qu'il ne savait pas. Elle a fait manger le porc. Eh, vous riez. Vous ne connaissez même pas les gens. Hein? Elle a fait manger le porc au père. Imagine, tu arrives au pays. Tu dis que tu veux manger la viande de brousse, on te fait manger une viande, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est dangereux. C'est très dangereux. Eh, vous riez. Vous connaissez Ngombongo Indi. Ils disent que le Seigneur est merveilleux. Antoine Bachou est quitté. Vraiment, au nom de Dieu, vous ne connaissez pas. Le monsieur là sort d'un trou où, s'il ne sortait pas de là, c'est qu'Antoine Bachou n'est pas vivant. Hein. C'est qu'il est fini. Hein. C'est qu'il est fou. C'est une parenthèse. Ce n'est pas, je ne suis pas sur les ténébreux aujourd'hui là. Je parle de ce qui c'est vraiment pertinent. Et je prie toutes les autres blogueuses vraiment de sensibiliser aussi par rapport à ça. On nous fait manger n'importe quoi au pays. Voici le sable, la terre rouge qu'on m'a donnée. La terre rouge. La terre rouge, si je mets dedans dans l'eau, vous allez voir. C'est la terre rouge. Je ne suis pas en train de mentir. Vous voyez que je ne sais même pas qui m'a vendu. Je ne peux pas venir dire que je venais saboter quelqu'un, mais je dis la vérité. Méfiez-vous. Voilà la terre rouge qu'on m'a vendue au Cameroun. Il y a les gens qui sont machiavéliques. Il y a les gens qui ont le t'as dit qu'ils sont nés pour être méchants, faire du mal.
pour rien. Voilà la terre que hier on a préparé. Nous étions au moins 4 à vouloir manger. On n'a pas pu manger hier. On était obligé de manger les côtes de Chine. C'est ce qu'on a mangé finalement. Et j'ai dit non, il faudrait que je fasse un direct pour parler de ça. Donc, c'est les boissons, le vin. Moi, j'ai vu ici sur les réseaux là comment est-ce qu'on fabrique dans les vins au quartier. Les Guinness, on fabrique au quartier. Vous voyez, quelqu'un va venir dire que oh, j'ai mangé quelque chose. Et, oh, la gastro. Oh, le ventre ne fait que faire mal. Le ventre ne fait que faire mal. Le ventre ne fait que faire mal. C'est-à-dire, ça peut te couper les intestins, même tu ne sais même pas. Ça te coupe les intestins. On va voir un vieux chat qui est mort quelque part. On va faire le ndomba avec, on tue les messeps dedans. Tu viens, tu manges, tu dis que c'est trop bon. C'est grave, hein? C'est grave, ça. C'est vraiment grave. Bon, ça s'est passé. Appelez-moi Ducamer, s'il vous plaît. Je ne suis pas contente de Ducamer. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, Ducamer, c'est ma personne. Il faut que je lui dise que je ne suis pas contente de lui. Quand on a des sœurs, c'est bien beau que nous soyons sur les réseaux sociaux, que chacun amène son coup de gueule, que chacun, comment ils ont, on aime souvent si beau dit, moi je le dis souvent, hein, je dis ce que je pense quand j'en ai envie. Personne ne contrôle mon blog, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Je fais, vous me protégez. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller là où j'ai envie de partir. Vous pouvez me protéger, mais vous ne pourrez pas m'empêcher d'aller où je vais partir. Si je veux partir, je vais partir. Et c'est quand je vais me brûler là-bas, je vais revenir, je vais dire, ah, mes gens m'ont protégé, je n'ai pas voulu écouter, bien fait pour ma gueule, je reste seulement tranquille. Mais vous ne pouvez pas me diriger complètement. Vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti dans le respect, et non me manquer de respect. Parce que le respect, même ton bébé, même ton enfant, tu dois du respect à ton enfant. Ducamer, je ne suis pas contente de toi. Si je ne te le dis pas, je vais te mentir. Tu sais très bien que sur la toile là, Nicole est ma protégée. Nicole, c'est ma protégée. Je sais que comme je parle là, mes détracteurs vont profiter pour chercher les problèmes à Nicole. Pour dire qu'elle a dit que Nicole, c'est sa protégée. Les détracteurs, nous, on vous connaît déjà. Je parle à Ducamer parce que je le considère. Ducamer, Nicole, c'est ma protégée. Comme tu as tes protégés, alors je respecte tes protégés. Tu dois respecter ma protégée. Si tu dis que tu me respectes, si tu dis que tu as de l'estime pour moi, tu dois respecter Nicole. Je n'ai pas dit que tu deviennes ami avec Nicole. Mais je te demande, s'il te plaît, quand tu vois Nicole, ne te mêle pas de sa chose. Je ne sais pas qui vous a dit que quand on est noir, on est laide. La plus belle femme au monde, c'est la peau noire. Laissez-nous les complexes que nous faisons là, nous mettons les crèmes éclaircissantes, tout ça. Mais la peau noire, c'est la plus belle peau. La plus belle femme, c'est celle qui est noire. La femme noire, blackos, c'est ça la femme africaine. Nous sommes des Africains. N'oublions pas déjà d'abord ça. Quand vous dites que Nicole est sale parce qu'elle est noire, on sait que ça, c'est des injures. Nous comprenons bien que c'est des injures. Tu m'envoies la PCS quand? Tu m'envoies la PCS quand? Dis-moi la voix. Ah, d'accord. Mais tu envoies souvent à Gagou, non? Moi, je sais que tu envoies souvent à Gagou, mais j'ai demandé pour moi-même, est-ce que j'ai demandé pour Gagou? Oui, je sais que tu envoies toujours pour elle, mais le tout souvent, est demandé pour moi-même. Ok, moi, je parle de ma chose, toi, tu dis que c'est elle qui t'a pris au téléphone, c'est moi. Ok, dis-moi. Je
Je suis un peu au courant de ça, moi. Je suis un peu au courant. Quand? Je ne sais pas d'abord. Il faut d'abord que je sache de quoi il s'agit. Je ne peux pas parler comme ça. Non. Je ne peux pas parler de ça comme ça. Parce que je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, je parle de ce que je suis en train de parler là parce que je suis au courant de ça. Mais l'autre, là, je ne suis pas au courant. Comment toi, tu veux me faire parler comme le mouton? Excusez-moi. Bon, regarde ce qu'on fait. J'ai fini d'avoir mon direct et puis tu m'appelles après. Tu dis toujours que tu m'appelles après, tu ne me rappelles pas. C'est ça le problème avec toi. Oui, non. Non, appelle-moi et puis je te dis qu'il est là. Là, il est sorti, il n'est pas là. Si tu m'appelles, je te dis que bon, appelle-moi demain matin. Tu vois, non? Oui, dès que le direct finit, parce que là, tu vas me faire couper. Ok. Même après, dès que je finis de parler à tout à l'heure, tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Bisous, à tout à l'heure. Avec moi, il ma fille. Non. Donc, du Cameroun, vous savez que Nicole, excusez-moi, hein, en fait, elle était en train de me dire qu'il y a un problème entre Nicole et, je crois, la Lyon. Je crois que c'est ce qu'elle me dit. Et puis, je lui ai dit, je ne peux pas parler comme ça. Parce que je ne sais pas d'abord déjà de quoi il s'agit. Donc, je ne vais pas me permettre de parler. Je parle parce que Nicole, vous savez, Nicole, c'est ma protégée. Voilà. Donc, Ducamer a plusieurs fois insulté Nicole. J'ai jamais aimé. Mais là, aujourd'hui, si je me permets de parler, c'est parce que ça en est un peu de trop. Parce que là, il fait semblant. Il sait très bien que Nicole, c'est ma protégée. Il le sait. Alors, s'il se permet de continuer à insulter Nicole, sachant que Nicole, c'est ma protégée, c'est pas gentil. Parce que lui, là, c'est protégé. Je ne peux pas me permettre de venir insulter ses protégés. Je vais lui dire que dis à ta protégée de ne plus m'insulter. Donc, je pense qu'il a eu ce petit prise de tête avec Nicole. Ça s'est passé depuis. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est toujours sur Nicole. Ducamer, Nicole, c'est une mère d'enfant. C'est une femme. Tu sais, je n'aime pas trop quand tu insultes les femmes. Je déteste quand tu insultes les femmes. J'aime quand tu parles de l'actualité. Tu parles, par exemple, de je sais pas moi, comme en ce moment tu es au pays, fais-nous visiter le pays, dis-nous que voilà, j'étais hier, raconte-nous les histoires du pays, tu vois un peu, parle-nous du pays. Mais de grâce, je ne voudrais plus que tu insultes ma protégée, parce que si tu insultes ma protégée, c'est comme si tu m'insultais moi-même. Tout le monde sait que Nicole, c'est ma protégée, c'est mon enfant que j'ai accouché par césarienne. Donc, Ducamer, mon frère, s'il te plaît, quand tu vois la chose, Nicole, passe, parce que Nicole ne te manque pas de respect. Tu l'as toujours insulté, toujours. Donc, s'il te plaît, Ducamer, respecte un peu ma fille Nicole, s'il te plaît. Nous tous, nous avons accouché là sur la toile. Mais Nicole, je l'ai mise ici. Elle et maman Lily et moi. Maman Lily et moi, on bagarre sur l'enfant là. Maman Lily tire là-bas, je tire ici. Elle tire là-bas, je tire ici. C'est notre enfant. Donc, de grâce, c'est une petite qui est sur le bloc depuis, mais qui sait, qui est sortie de ténèbres, qui a dit voilà, je suis là pour. J'ai choisi le bon côté. J'ai choisi le 9 et le 10 parce que c'est des femmes que j'ai longtemps manqué de respect. En prenant du recul, j'ai vu que non, ces personnes n'ont pas les fonds. Elles ne sont pas méchantes. Donc je m'en vais vers eux. Je me prosterne vers eux, devant eux, et je continue le combat avec eux.
Et Nicole, je te dis aujourd'hui, tu as tout mon soutien. Comme toutes les personnes d'ailleurs qui me soutiennent, vous avez tout mon soutien. Ce n'est pas que je préfère trop Nicole, parce que l'homme africain est très compliqué. Quand je veux parler que Nicole, tu as tout mon soutien, ils vont dire voilà. En tout cas, l'être humain, il est comme ça. La relation humaine est comme ça, je vous le dis tout le temps. On va dire voilà, maintenant, elle va du côté de Nicole. Voilà, elle est ingrate. Non. J'aime toutes les personnes qui me soutiennent, même ceux qui me soutiennent dans l'ombre. J'aime tout le monde. La façon dont tu me prends, c'est comme ça que je viens vers toi. Quand je ne te sens pas, ou quand je ne te sens plus, je prends un peu de recul. Mais je ne veux pas venir comploter sur ton dos. Non, je ne suis pas comme ça. C'est mal me connaître. Il y a la petite qui était en Angleterre là. Qui décryptait les vidéos aussi. Je l'aimais bien parce qu'elle décryptait bien les vidéos. Moi, j'aime bien quand on décrypte bien les vidéos. Parce que moi, elle me lâchait, elle ne me loupait pas souvent. Si Nicole a fait son choix, pardon, c'est ce que vous tous, vous avez toujours voulu quand même sur la toile. Que le 9 et le 10 puissent. Vous voulez pas qu'on prenne notre retraite? Ou vous voulez qu'on reste toujours là, une comme moi là. Moi, c'est. Je sais pas si je prends la retraite, je suis toujours bango bango. Donc, Nicole, tu as tout mon soutien, ma chérie. Tu sais, tu entres, j'entre. D'accord? Tu as mon soutien, ne t'inquiète même pas. Ne te dis pas que je ne suis pas avec toi, je suis bien, bien avec toi. Je te soutiens et j'aime ce que tu fais. J'aime très bien ce que tu fais. J'aime ta personne. Ne change pas. N'écoute pas, on va dire, tu es noire, tu es sale. Non. Ma mère a quatre enfants. Elles sont noires et elles sont belles. Oui. C'est moi qui frotte aux gens, ça. Maliba frotte. Moi, il frotte. Moi, je ne suis pas dedans. Je frotte, et le foie là me lave encore bien la peau là encore. J'ajoute encore les produits, les toiles caribéennes. Je brille encore. Donc tu es une belle femme. Peut-être en ce moment tu n'as pas les moyens. Tu pouvais utiliser la crème de l'étoile. Ça là encore te fait bien briller ton noir là. Tu vois non? Laisse, on va organiser. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer ça. Quand tu vas utiliser ça, Nicole, tu as déjà un beau teint. Ce n'est pas que c'est. Quand tu vas encore utiliser, c'est jamais loin de moi. Il dort avec ça, il me réveille avec. Allez, non, madame, je dors avec ça. Nicole, je vais t'envoyer ça à la fin du mois. Quand tu vas utiliser ça. D'accord? Je vais t'envoyer la gamme. Si. Je vais t'envoyer la gamme. L'étoile caribienne. Tu es belle, tu es jeune, tu as de l'avenir. Ne pas, pas gâter ta peau en te décapant. Reste naturel. J'espère que tu as compris ce que je te dis. Ne pas, pas avoir le complexe parce qu'on a dit que tu es noire, c'est que tu es sale. Non, tu es belle. Et les femmes comme toi en ce moment sont recherchées. Il n'y a plus de femmes naturelles. C'est devenu très rare de voir une femme naturelle. On est maintenant, nous tous, on cherche dans la couleur du taxi. Pourtant, nous toutes là, nous sommes de nature noire. Donc, ma fille, aucun complexe. Le jour que tu as envie de mettre ta perruque, tu mets ta perruque. Le jour que tu dis que c'est le kaba, que tu fais avec, fais comme ta mère qui t'a accouché. Tu m'as vu là. C'est ça que moi j'avais là. J'ai dit que je fais mon. Je n'ai pas besoin d'aller. Parfois, je veux faire plaisir à certaines personnes qui aiment bien me voir jolie quand je vais faire le direct. Un peu pouponné là, oui. Mais non, moi je suis naturel. Il faut rien forcer. Ne force pas. Ça te prend là que ton œil que tu dois lancer ton direct arrivé. Tu prends le peigne, tu peignes tes cheveux derrière comme ça là. Tu t'assois. Tu n'as pas besoin de même les rouges à lèvres. Tu mets ton petit gloss même. Si tu veux te faire plaisir, tu mets un petit rouge à lèvres, tu es tranquille. Tu ne te prends pas la tête par rapport aux réseaux sociaux. Le réseau social est là. Soit ça te détruit, soit ça t'amène en haut. On voit ici, on voit beaucoup là qui deviennent junkies, ici. Ils ont commencé, ils étaient bien,
Elles avaient peur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles sont devenues les clasheuses Numba Uno. Oh, pardon, ne prononce pas mon nom là-bas. Pardon, j'ai peur, j'ai peur. Ce sont elles aujourd'hui qui font les directs. Elles viennent toujours dire comme ça que non, j'ai peur, j'ai peur. Oh, hey, il faut pas. Oh, oh. Pourtant, elles adorent. Elles adorent les réseaux. Donc, il ne faut jamais faire quelque chose par rapport à quelqu'un. Fais quelque chose par rapport à toi. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Tu restes dans ta peau. Est-ce que tu as un complexe par rapport à ta personne? Non. Si moi, j'avais un complexe par rapport à mon corps, comme on m'insultait ici avec tes gros yeux, avec ton corps gringa, tout ça là, si c'est moi, si ce n'était pas les opérations, j'ai toujours été maigre, hein, j'adore. Parce que quand je prends du poids, ça commence à frotter ici. Je suis obligé de boire l'été, aujourd'hui. Alors que j'étais un gringa naturellement. Mais aujourd'hui, moi, je vois les gens qui sont prêts à payer pour être maigres. Me voici aujourd'hui, je suis obligé de boire l'été. Je frotte. J'ai lié à la ceinture aussi qu'on m'a envoyée. On m'a donné. Voilà la ceinture qu'on m'a donnée, que je mets. Quand j'ai fini de frotter, c'est la pause publicitaire. Quand j'ai fini de frotter, je frotte ça sur le ventre. Na wang wang. Wang wang. A wang wang. Je prends. Je mets. Je reste avec. Tout à l'heure, je vais finir de manger. Je prends mes gélules. Après, je prends mon thé. Les trois là. C'est comme ça. Le thé là va brûler là, ce que je vais manger. Le thé là, ça va brûler ce que je vais manger. Si je veux, avant de dormir, je mets. Mais moi, j'aime mettre ça dans la journée. J'aime mettre ça dans la journée. Moi, je mets ça beaucoup plus dans la journée. Donc, avant de partir au boulot le matin, là, tu frottes ça sur le ventre bien. Tu frottes. Tu prends ta gélule. Moi, je bois deux gélules. Mais le docteur même, qui vend ça, m'a dit une gélule. Moi, je prends deux. Moi, il vous dit moi comment moi, il prend. Mais apparemment, elle dit que ce n'est pas conseillé de prendre deux. C'est pour ça que vous voyez que ça agit déjà vite sur moi. Voilà les joues qui commencent à partir. Je prends mon thé. Tout à l'heure, avant de dormir, je prends mon thé et ça me relâche. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde. Ça me fait bien dormir. Quand je prends mon thé, voilà, ça va à trois comme ça là. Maintenant, ça. C'est quand tu as un chantier. Donc, quand il y a match avec le body, tu prends ça la veille. Tu mets. Quand tu sais que tu as le chantier le lendemain, tu prends ça. Ou le putam. Tu mets ça. Tu as l'ondotte comme une petite fille de 15 ans. Ça là. Oui, frais, frais, propre. Bon, ça. Ça là. Testez, vous avez venu me dire. Vous m'appelez inbox. Maintenant, les fibromes. Je vous ai dit qu'on a les kystes qu'ils appellent ici. Ils appellent ça ici les myomes. Mais nous, on appelle ça fibrome. Les myomes, voilà. Prenez toujours ça. Ayez toujours ça à la maison. Ça, c'est les ovules. Ça, c'est les ovules. Ça, c'est les ovules aussi. Ça n'a pas les mêmes effets que ça. Ça là, c'est spécial. Ça, c'est surtout quand tu as un grand chantier. Voilà, quand tu as un grand chantier. Ça. Mais ça, ça va avec. Très important. Très, très important. Les fibromes. Nous avons ça abondamment. Même si c'est encore petit, commencez déjà à boire l'été maintenant. Pour que ça commence déjà à commencer. Ça commence à combattre. Ça, je vous ai dit que toutes, oui, c'est le prix, 165. Les trois là, voici ce qui est 165. Le thé et les trois là, la gélule, brûle graisse et le thé. Je suis dans ça, 165. Maintenant, ce qui fait briller maman Pépé, la beauté de ça, voici ça ici, c'est ça. Le lait là, c'est 500 ml. Mais on m'a dit d'aller pour gommer mon corps chaque jour. Maman, vous connaissez que votre remède, c'est une villageoise. Parce que moi, je veux toujours abuser, non?
que ça aille vite, vite. Benéo. Je gomme le corps chaque jour. J'ai arrêté d'abord. On m'a dit que je vais fragiliser ma peau. Ouais, non. Moi, c'est vraiment exagère sur tout. Ce n'est pas remarquable. Moi, j'exagère sur tout. Donc, on a dit que le gommage, là, ce n'est pas bon. Ça va me fragiliser la peau. Donc, je vais sûrement encore me gommer mardi. Je laisse d'abord 5-4 jours même passer. Oui. Après, je vais encore gommer le corps. Ouais, non. Oui. C'est ça que j'utilise. Donc, moi, je voulais me gommer demain, dis donc. Comme ça. Mais on me dit que non, il ne faut pas gommer tout le temps. Maman, pépé, toi, tu gâtes. Donc, passez vos commandes. Passez vos commandes et puis. Vraiment. Du camé, s'il te plaît. Arrête d'insulter ma fille. Arrête d'insulter ma fille. Est-ce que vous pouvez aussi prendre le thé là comme ça, hein, sans. Vous pouvez prendre le thé seul, mais moi je vous conseille. C'est plus rentable et plus bien pour vous de prendre les trois. Si. Au lieu de prendre rien que le thé, tu ne gagnes pas. Pourtant, en prenant les trois, tu gagnes. Prends les trois. Si tu veux, tu veux pas boire les gélules, tu fais cadeau. Tu envoies ça à maman Pépé. Et puis maintenant, j'ai ma fille là qui vend les ceintures. Là. Je vais vous mettre le lien sur ma page. Vous prenez maintenant ça, vous mettez. Ça, voilà. Collant comme ça comme m'a donné. On va serrer le gros ventre là qu'on dit que ventre froissé, froissé. Et je vais demander aux jeunes filles que venez me monter vos ventres si elles sont incapables. Quand tu t'assois, le ventre est obligé de se plier. Mon gars m'a dit de ne plus monter mon ventre. Quand tu t'assois, le ventre se plie, non. Mais quand tu te lèves, ce n'est plus pareil. Mon gars a dit que je ne veux plus que je monte son ventre ici là. Mais les 1 mois, dès qu'on atteint les 1 mois, challenge là, je vais faire la photo, je poste. Ça sort comme ça sort. Oui, le challenge où je vais faire mon direct, je montre que voilà ça, regardez. Parce que je vais vous vendre. Il faut que je vous vende. Moi, je suis d'abord le cobaye, non. Je suis votre cobaye. Si je vous dis que je suis votre garantie, passez votre commande. Allez commander. Les produits de la petite là sont très bons. Ce qui me plaît encore avec son thé, c'est que son thé n'a pas de goût, c'est-à-dire amer ou non. Son thé est normal. C'est un très bon, c'est un bon thé. Moi, je suis compliqué pour les médicaments, hein. Mais je bois son thé. Là, je finis là, je mange. Avant de dormir, je bois mon thé. Obligé. Même si je pars, je ne joue pas comment. Oh. Je rentre, je bois mon thé. Le matin, je bois mon thé. À midi, je bois mon thé. C'est de ça qu'il s'agit. Faut faire ça. C'est important. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Je pense que pour ce soir, c'est bon. Pour ce soir, c'était bon. Hein? Je voulais beaucoup plus vous parler de ça. La terre qu'on m'a donnée au pays là. C'est de ça que je voulais vous parler. La terre là. J'ai vu en fait. Et dire aussi à Ducamin que vraiment qu'il arrête manquer de respect à Nicole Ketia d'à cœur ouvert. En même temps, allez vous abonner. Allez vous abonner sur la chaîne de Nicole Ketcha à cœur ouvert. Le mur de la vérité. Le mur où on fait le décryptage des directs. Donc, Nancy, je partage les directs sur ma page quand il s'agit du commerce. Vous savez, les directs maintenant où c'est les injures, un jar, c'est pas bon de partager sur ma page. Je partage sur Perpétue Maliba. Voilà. Si vous me voyez partir partager sur
elle est chancelière, c'est que... Et là, on va faire des dons dans quelques jours. Nous allons faire des petits dons. Encore, on me demande ça depuis. Donc, on va faire des petits dons. On va envoyer notre représentant, mon neveu, l'abbé Samé. Donc, on va faire des dons au Maroc, là. Notre représentant va aller nous représenter. Donc, on va aller faire des dons. Là, à la fin du mois, il va aller représenter la TKC. L'abbé Samé va aller nous représenter. Il va aller faire des petits dons. Au Maroc de notre part. Bon, je vais vous laisser. J'avais pas beaucoup de choses à dire ce soir. J'avais vraiment pas. Je vais vous laisser. Je vais aller continuer à faire ma monture. On dit peut-être demain, non? On dit peut-être demain. Ma fille, appelle-moi alors. Appelle-moi maintenant. Je vais couper le direct. Sur ce, je vous souhaite comme ça une belle soirée et puis un bon week-end dans la paix du Christ. Hein? Et puis, merci encore à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous le rembourse au centuple. Merci beaucoup. Vous savez, quand moi, je n'ai rien à dire, quand je ne suis pas inspirée, que je n'ai pas quelque chose vraiment à dire, je ferme ma bouche. Il est devenu dire, insulter n'importe comment. Non, je n'ai pas quelque chose à dire, je voulais beaucoup plus vous parler de ça. Voilà. Et parler à du Camer. Donc, je vous aime. Bon week-end à vous. Bye. Bisous, bisous.